Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la découverte d'un tout nouveau mode de jeu, ReZero UHC. Tiré du manga portant le même nom, à la manière de LGUHC, deux grands camps principaux s'affrontent. D'un côté les méchants nommés les sorcières et de l'autre les gentils nommés les chevaliers. Mais également deux rôles solo qui sont Roswell et Elsa. Mais vous pourrez également retrouver vos personnages préférés dans les deux autres camps comme Ricardo, Béatrice, Julius ou encore Régulus et Minerva. Et si vous pensez que ReZero UHC est un énième jeu à rôle classique, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Mais avant de vous faire découvrir tout ça, laissez-moi vous parler de Gamer Gym. Car vous êtes peut-être comme moi et comme des milliers de joueurs en France à ne pas pouvoir et surtout à ne pas savoir comment faire pour associer les jeux vidéo au sport avec une bonne alimentation. Et bien aujourd'hui, je suis sincèrement très heureux de pouvoir vous présenter cette application que j'utilise depuis maintenant quelques semaines. Mais alors passons au concret, qu'est-ce que Gamer Gym? Et bien il s'agit tout simplement d'une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone spécialement adaptée aux gamers, qui vous propose donc des programmes d'entraînement adaptés ainsi que des plans nutritionnels en fonction de vos objectifs et des informations que vous avez données. Objectifs qui peuvent être par exemple une remise en forme, se muscler, se tailler ou tout simplement perdre du poids. Dans mon cas personnel, ça m'a permis de m'y mettre sérieusement, car peut-être comme beaucoup d'entre vous, je me suis déjà dit aujourd'hui c'est le moment, j'y vais, puis au final je ne sais pas vraiment quel entraînement faire et quoi manger, parce qu'évidemment l'un ne va pas sans l'autre. Puis au final je me disais je reporte ça demain, et puis vous connaissez, le lendemain je re-reporte le lendemain et au final on s'y met jamais. Or là, Gamer Gym vous donne tout, les plannings d'entraînement tous les jours, ainsi que plusieurs choix en fonction de vos envies en termes de repas, que ça soit du petit déjeuner au repas du soir. Donc si vous voulez checker et tester ça vous-même, le lien de téléchargement se trouve dans la description. Et grâce à ce lien, vous aurez 50% de réduction sur les deux premiers mois et 25% si vous êtes directement déterminé à prendre à l'année, comme moi. Et je vous annonce que si on atteint un certain sub goal sur Twitch, je ferai pour la toute première fois un live spécial sport avec vous, tiré d'une de mes séances d'entraînement. Donc évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre en stream, le lien se trouve en description. J'en profite pour vous annoncer que nous nous retrouverons dès ce soir, ce samedi 25 septembre à 21h pour une game de ReZero UHC avec vous. Si vous souhaitez participer, le lien de mon Discord se trouve en description. Pour revenir à ReZero UHC, rappelez-vous, je vous parlais de toute nouvelle mécanique inédite. Et bien dans un premier temps, sachez que pour la toute première fois dans un UHC, Mumble devient une mécanique à part entière, puisqu'il existe par exemple un rôle qui permet de mute, micro et casque un ou plusieurs joueurs dans la partie. Évidemment ce n'est pas tout, et pour la suite je vous propose de découvrir mon rôle. Et aujourd'hui, nous incarnerons un membre des sorcières qui est né plus ni moins que Carmilla, la sorcière de la luxure. Étant très timide, à la manière de la petite fille en loup-garou UHC, lorsque j'enlèverai mon armure, j'obtiendrai l'effet invisibilité ainsi que speed 1, mais ce, à n'importe quel moment de la partie et autant de temps que je le désire. Mais Carmilla a surtout la possibilité de prendre l'apparence d'une personne, et c'est là que ça commence à devenir très intéressant. En effet, grâce à une commande, je pourrai prendre l'apparence du joueur, c'est-à-dire son skin et son pseudo, et ce, pour la durée de tout l'épisode. Mais vous allez me dire, surtout dans mon cas, que je serai cramé instantanément si je parle. Et vous avez entièrement raison, c'est pourquoi si je l'utilise, il faudra le faire au meilleur moment possible. Et ce n'est pas fini. Car de plus, une fois dans la partie, je pourrai échanger ma place avec un joueur encore vivant. Et là encore, vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais ce pouvoir peut être d'une très grande puissance. Cependant, le point négatif de mon rôle est que je n'ai aucune information sur mes mates. Cependant, certains ont la possibilité de me connaître, et quoi qu'il en soit, grâce à mon invisibilité, je pourrais espionner et récolter un maximum d'informations en toute discrétion, que ça soit aussi bien du côté des chevaliers que des sorcières. Je dirais même que j'ai un rôle capital à jouer dans la partie. Autant vous dire que pour ma toute première game en ReZero UHC, vous n'allez pas être déçus. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. Oh. Allô le monde. Mais qu'est-ce que tu fous après? Alors il s'est passé des bails, c'est-à-dire que vous savez là, cette téléportation qu'il y a eu là. Pour ceux qui sont là sur les streams, ça vous dérangerait pas entre guillemets de prendre 5 minutes de votre temps et de m'aider là-dessus. C'est sympa, je venais de prendre ma... Je venais de poser ma table, c'est cool. Oui. Ouais. Bah voilà gros. Et j'ai ma table d'enchant qui était posée donc... Qu'est-ce qui s'est passé gros? Subaru, tu sais quand c'était là, arrive zéro, il a nausé. Ouais. Alors le mec a paniqué, il a eu nausée, il a tapé... Il a sauté quelqu'un au pif, ouais, et... c'est ça. Et d'accord. Il a pas pu, c'est tombé sur... C'est tombé sur Willem. C'était qui Chazan? Qui était Willem. Ok, rip Chazan. Et du coup ça baisse bien les... Les quoi? Les chevaliers qui du coup, ah bah, normalement, il me semble qu'il a l'info justement de combien de sorcières a croisé Crush. C'est ça, c'est un rôle d'info ultra important, donc là ils sont vraiment dans la merde. D'accord.
Après, okay, il reste Auto qui est vraiment un très bon rôle à l'info. Mais là, Genjax, il va pas se faire sauter jusqu'à la fin de game parce que bah sinon, c'était là qu'il va pas. Il vient de dire qu'ils sont vraiment dans la merde. Gars, là. Vous avez pas vu Minor ? Donc il est pas chevalier. Ah, t'as confiance en lui aussi. Diamo, là. Il est avec moi du coup. Je sais. Apparemment, Puka il est pas très safe apparemment. C'est vraiment pas. Puka est vraiment pas. Mais je sais pas si vous pouvez en réussir. Je sais pas c'est ce qu'ils disent là-bas. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, là-bas là. Je sais pas si t'as mal. Juste entendu les voix, mais je sais pas qui c'est les voix. Non, c'est vraiment ses premières games. C'est groupe de 4 les gars, non ? Pardon ? C'est groupe de 4. Moi je reste avec Quarter. Ouais, groupe de 4, excusez-moi, je m'en vais. J'ai le rôle de Quarter. Du coup, je reste avec Rit et Payne, parce que je fais confiance. Ouais. Bah ouais, j'ai toujours pas trouvé. Je fous la merde, frère, je fous la merde. Attendez, je vais mettre invisible. Parce que Genjax il exprime la civitude. Ah oui. J'aimerais bien avoir ses infos. Et tiens, je te donne, regarde, je te rembourse la gape, du coup tu dois. Bah, c'est la. Tu me redonnes une autre gape. Vas-y. Ah, mais c'est toi qui as eu ma gape, Genjax, non ? Quarter Ride Genjax, il est son chevalier, c'est comme ça. Je connais pas le mode de jeu, mais il me semble que je devrais faire gaffe à Crack. Mais je suis pas sûr de moi. Bah, ce serait lui qui tue. Parce que j'ai regardé mon rec et j'ai fait l'erreur sur Shazam et je vais pas refaire l'erreur. Ouais, mais c'est au cas où et juste. Bah, moi j'explique. Est-ce que tu peux garder ça avec eux pour l'instant ? Est-ce que vous pouvez garder ça ? En fait, j'explique. Skycy. Bah, je savais pas que c'était 25 blocs, mais du coup, en fait, j'ai regardé mon rec, je marchais tranquillement, j'ai eu l'effect. Et du coup, tu sais, je me suis dit, bah, c'était 5 blocs. Ouais. C'était vraiment très peu. Et du coup, bah, l'autre mec, je me suis dit, c'est Shazam qui est passé à côté de moi. Sauf qu'au final, c'était pas Shazam. Je me suis approché de Skycy. Du coup, bah, c'est Skycy, parce qu'il y avait que eux. Et mon Skycy avec moi. Je me mets en sneak, les gars, parce que j'ai pas envie qu'ils voient les particules. Lui, je pense qu'il est méchant, Diamant. Et tu sais que vu que je connaissais pas la reine, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur. Ok, c'est pas la reine. Après qu'il est avec moi du coup déjà. En vrai, j'aimerais bien voir Diamant et Miner, je pense qu'ils sont avec moi par contre. Skycy égale Satella du coup. Ok. Donc lui, Skycy est avec nous. J'aimerais bien voir où est Skycy du coup. Oh, je kiffe mon rôle d'être invisible comme ça. J'avais besoin d'un rôle comme ça moi. Par contre, faut pas que je le fasse trop parce que sinon ils vont être. En vrai, devrait faire. Je peux regarder. Mais Ray, t'es gentil. Ah, okay, merci. Ah non, mais dis pas qu'ils sont safe aussi. Je fais maintenant au pire du monde. Et moi, y'en a un problème, ma gueule. C'est quoi ? Y'a vraiment quelque chose qui aurait dû se passer, mais qui se passe pas, quoi. Ok, normalement, il va être encore plus. Et les gars, si vous grattez. Oh là 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 là, ils sont. Je vous donne un autre safe en vrai. Je vous donne un autre safe. Mais je vous donne. De toute façon, là, je t'explique. Normalement, Ritz va être encore plus broken. Normalement, il peut pas mourir là. Là, je vais donner deux trucs. Il peut pas mourir. C'est un peu. Bah, tu peux le donner x2 là, non ? Tu peux le donner x2, non ? Ouais, mais je peux le donner x2 frère, il me reste plus un mois. Je sais pas si c'est très bon ça. Oh, ils sont safe. Après, vous pouvez compter aussi, attends. Puka en safe. Pourquoi il est safe ? Attends, mais attends, il est safe. Safe comme en rôle ou. Oula, il vient de mettre juste sur moi, je suis mort. Ok. D'accord. En plus, Miner il donne souvent plein de coups dans le vide, j'ai eu de la chance là. Oh là là, toutes les infos qu'on a là. Miner il donne un pouvoir ou un buff à quelqu'un. Miner donne des buffs. Il a donné un buff à Wright. Alors après, est-ce que ça vous sert que je vous donne vraiment le rôle exact de. Ah. De par exemple de. Comment il s'appelle ? Pourquoi ? Pourquoi ? Let's go. J'arrive. Je lâche là. Oh, le stuff pour moi. Diamo, Lancecast. Lancecast. Il a pris tout le stuff, le bâtard. Et voilà, comme prévu, grâce à mon rôle, j'ai pu récolter énormément d'informations, que ça soit du camp des sorcières comme celui des chevaliers. Récapitulons tout ça. Déjà, on sait que Shazam est mort par erreur de la main de Genjax. Ce n'était pas Shazam qui visait, mais bel et bien Skycy, qui est par conséquent un de mes coéquipiers. On sait également grâce à Puka que Wright, Vayne, Quarter ainsi que Bisharp
font partie du camp des chevaliers avec lui. De plus, on a également eu l'information comme quoi Crack serait potentiellement un méchant. Et en parlant de méchants, vous l'avez bien compris, Miner et Diamo font partie du camp des sorcières. Mais malheureusement pour eux, ils sont potentiellement cramés, car le groupe de Puka les a vus partir avec Vayne. Il est donc très peu probable qu'on les voit avant un bon moment. C'est pourquoi je vais jouer la carte de l'infiltration, en allant très rapidement au centre, prétextant que je les ai vus cachés en train de tuer Vayne. Et donc en les dénonçant, je me fais passer pour un chevalier. Rejoignons donc au plus vite le 0-0. Je sais même pas où ils sont partis, putain. Bon, on sait que Miner et Diamo sont... Mais ça m'étonnait aussi, ça m'étonnait que Diamo soit pas... soit gentil. Est-ce que je tente une infiltration et je dis que j'ai vu le kill et que je sais qui c'est? De toute façon, ils sont cramés, ils savent que c'est Miner. Allô? Vous avez vu Jen Jax et tout ou pas? Allô? Jen Jax, c'était... J'ai vu il y a deux minutes, mais je sais pas où il est parti. Darling est potentiellement méchant. Ok. Je sais qui a fait le kill sur... Sur Peck? Ouais. Bah justement, je vais le dire à... Je vais le dire à Jen Jax. D'accord. Ok. Pff, tellement d'infos les gars. Skycy, bah là, on savait qu'il était méchant. Mais j'arrive pas à retrouver là. Allô? J'ai enfin je trouve des gens, du coup je disais. Je sais pas. Et je disais également que j'ai deux méchants dessus. Du coup Miner et Diamond méchant. T'es un chien, ouais. Ouais. C'est bon les gars, j'ai tué Skycy les gars. Vous saviez déjà? Qui fait de la classe PCR. Comment vous savez? Bah parce que c'est des... Enfin il s'est dévoué. Non il s'est pas dévoué, il s'est... Il... De façon subtile, très subtile, il nous a donné... Ah ouais les gars, oula. Attends mais vous parlez de qui? De... Eric. Merde, Eric. Non mais moi je vous parle de Miner et Diamo qui sont méchants. Ah non oui, on sait, c'est fait. Et justement vous le savez comment? Bah... J'ai dit, en fait Miner et Diamo sont venus vers moi et m'ont dit... Oui mais y'a que moi qui ai vu le kill hein. Non oui mais... Oui mais Pega écoute... J'ai dit à Miner... La meuf qui m'a donné mes effets, donc c'est une meuf qui est safe et qui m'a donné les effets, sauf que je l'ai dit à un mec random. J'ai pas dit le reste. Du coup, ils sont venus, ouais, Vayne, on doit te parler, et je les ai vus juste avant de partir. Ils sont partis, et genre 2-3 minutes après, il est mort. Ok. Et, tu vois, moi, s'il y a un mec de trop tout seul, je veux bien, parce que 10-2 secondes en tout cas. Deux groupes alors. Vas-y. T'as confiance? Vous avez confiance là? Ouais. T'as confiance en Panda ou pas? Non, pas Panda, non. Moi, j'ai confiance en toi. Pega, je crois que t'es safe. Oui, moi oui. Oula, surtout. Ouais, j'y vais, let's fight. Bah, vas-y, mais du coup, c'est pas du revoir. Mais tu veux pas qu'on les saute? C'est Darling qui a. Mais non, mais Darling qui a attaqué Freizen et ils sont en 4 sur lui. Non, mais Pega, il paraît safe. Enfin, moi, ah, oui, non, mais moi. Un duo? Ah, oui, il y a les solos. Ah, si, moi j'avais des infos, hein. J'avais des infos, je suis venu de les dire. Vous les saviez tous déjà, donc Bah oui, on a tué tout le monde. Bah les gars, Freizen est méchant aussi, il est avec. Oh, le pire, je me suis fait passer pour lui, hein, pour les... Mais c'est méchant, là, Darling, non? Oui, il était méchant. Violet, c'est méchant. Mais pourquoi vous dites que Freizen est méchant? C'est lui qui l'a tué. Bah non, mais en fait, Freizen est... Non, mais c'est Freizen qui a tué Darling, en fait. Je pense que ce qu'on va faire, c'est... J'ai envie de tenter quelqu'un, mais le problème, c'est que là... Merci Ska, c'est juste... Ah. Bon là je te dis, Jen Jax, il te pense méchant, il va bientôt te sauter, je pense, ça bouge pas. Je pense méchant, mais je sais pas pourquoi. En fait, on a pas d'infos sur toi, et la liste des méchants, pas les identifiés, comment ça... Bah si, Jen Jax, c'est un peu Subaru. C'est pas... Et dans le tas, t'as Béatrice dans le tas aussi. Mais ça je sais. Bon, ce que tu viens de dire, ça conforte pas... Je suis clairement dévot sur Sauf qu'en fait, je peux pas vous prouver que je suis safe ou quoi, donc c'est compliqué. Hein? Oh. Ah! Ah bah oui, mais pourquoi t'attaques? Mais il est méchant? Bah ouais, bah. Bah oui, ils sont méchants. Mais en plus, je suis pas méchant! Ouais, ils sont méchants, je pense, les deux. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Toi, c'est moi. Être dans l'eau, c'est pas ma meilleure truc pour moi. Hein. Ah mais je t'ai marqué. Ah sorry. Faut que je remonte la surface moi. Peut-être que tu m'aides aussi. Ouais. Oh c'est terrible. Ok attends. Panda. Ouais. Viens. T'es prêt? T'es prêt? Ouais. Full crit. Vas-y. Maintenant. Full crit. Ok, bon bah.
Mais t'as résistance. J'ai un rôle de fou. Allez mon Kega. Allez mon Kega. Mais mec, je suis tombé sur résistance. En fait, non, en fait, il a je suis anéanti. Il a très scary la force. Oh non, c'est impossible. C'est qui derrière? J'ai fait pour prendre les effets, je sais pas si ce que je fais est bon, mais vas-y. Allez, pas dans l'eau. Moi, je suis dans l'eau, moi. Ouais, mais moi, je reste là, du coup. C'est un solo, jure. En vrai, j'avais bien joué, non? L'idée était bien, c'est dommage. On n'a pas eu de chance, mais c'est trop, mais... Ok, Freizen mort, c'est bien. Non, mais de toute façon, la Miner et Jamo, ouais, voilà, ils vont juste les sécher dès qu'ils tournent un peu trop loin du centre. Mm-mm. Et en fait, j'ai eu peur que Pooka, à un moment donné, quand il soit parti, il ait compris que j'étais le rôle invisible et que j'étais... Sikos. Mais Sikos crack, je les ai même pas croisés de la game. Je suis trop deg, frère. J'ai encore le truc de prendre le skin de quelqu'un, les gars. Oh, attendez. Il peut se passer des dingueries encore. Ah, let's go. J'ai entendu des voix à droite. Voix à droite. J'ai entendu une voix à droite. Je sais pas si c'était un spec. Non, je pense pas. Derrière moi. Attends, ok. D'ailleurs, le mec invisible, je te préviens tout de suite, je suis pas avec vous, je suis solo, mais je dois faire stream avec vous pour l'instant. Ah, Princesca, c'est pas avec nous. Pourquoi il le dit? Oh. Ah, du coup, on peut switch. Ah non, je l'ai fait déjà, moi ça. C'est ça. Montre-toi. Attends, allez, vous. J'ai déjà fait, les gars, ça. Non, mais. Non! C'est tragique. Non, mais en fait, c'est vraiment tragique parce que je l'ai fait et Pandation, il est mort comme ça. J'ai TP Machuga sur moi, du coup. Pandation ouais. Était censé full crit, sauf que c'était le mec qui était trop cheaté, Machuga, attends, donc il a pas tué. On est trois, ah, ouais, avec les okay, j'ai compris. Ah, mais ah, ok, oui, oui. Tu peux le faire qu'une fois. Oh, oui, oui. Mais... Je pense que le meilleur truc à faire, c'est foncer comme des bourrins et. Ah, ouais, si. Après, c'est si, pas ouais, ouais, sorcière, ça va être groupe de trois, ouais. Du coup, Persica, c'est mort. Ok, pas de soucis, à plus les refs. Ouais. Non mais moi je peux, moi non mais gardez-le avec vous, moi je peux essayer d'intégrer un groupe avec un skin, sans parler. Ouais, vas-y, ouais. Ok, vas-y. Et un mec qui est pas là. Il y a un rôle qui voit à gauche. Il a failli respecter, c'est Roswell. Oh putain, les admiqueurs! Oh là là, j'ai frôlé la mouère! Non, on peut qui glisse! Enfoiré, va! Je suis désolé, Romé. T'inquiète, c'est la vie. Ouais. C'est bon. PP player, bro. Ouais, t'es trop chaud, hein. C'est ton problème. Aïe. Il m'éloigne, il va me soulever dans pas longtemps, là. J'étais à deux cœurs, putain. Oh, ils sont tous morts. C'est une blague. J'ai pas voulu y aller parce que c'était groupe de 3. Non, là, il faut que je trouve clic gauche ou alors Seiko ou au-delà. Tu vois, au quarter. Et 1-2 là, et je. Tu vois.
C'est eux ceux que je peux le plus tuer, c'est eux. J'ai peur, moi. Les gaffes, il a pas un rôle PVP, genre il a pas forcé tout. Non, je crois pas. Parce que son rôle. J'attends juste. S'il y en a un qui s'écarte, les gars, je le fais. S'il y en a un qui s'écarte, je le mets sur le lave et il dégage. Ah oui. Ah, mais je les avais déjà, mais t'avais pas dit ça déjà? Oh, il tombe. Il tombe. J'allais attaquer là pour le faire tomber là-bas. Bah, putain. Il y avait l'autre là qui l'avait dit. Comme par hasard, c'est lui qui tombe. Ça pouvait pas être Wright ou quoi qui tombe. Hein. Qui l'avait dit. Mais on voit bien. Les gars, il a compris. Les gars, on voit bien voir. Genre, bon, au moins, il sait. On voit bien voir. Si Pegafil meurt. Déjà, ça me confirmait qu'il était en train d'aller Pegafil quand Seiko est mort. Mais en fait, on sait jamais. Non, mais Jack, c'est tout, ils m'ont confirmé. Qui c'est qui a tué Psycho? Non, mais attends, mais tu as vraiment sauté, mec? Mais gros, mais. C'est toi, Ram, transformé en fait. Mais pas du tout. Mais bah alors, pourquoi Pegafil est en fait avec Genjax pendant que c'est. Pega ici, les gars, j'ai vu des particules. Bah, il va me dire ça alors. Mais attends, alors. Pega ici. Mais mec, tu connais mon rôle, hein? Ah! Les gars, sa mère. Mais je te l'ai dit, quoi. Oh, mais vas-y, frère. Ah, t'es méchant du coup, toi. Lui là. Je suis là. Mais non. En plus, je l'avais vu depuis longtemps, je l'avais dit, quoi, dommage. Oh, dommage, hein. T'as vu, je suis avec toi, quoi. Ah, t'es à moi. Oh mon dieu. T'en es allé. Par contre, tu reviens là, toi. Aide-moi, viens. Spray le. Je suis là. Attends, j'arrive. Venez pas dans le camion. Vas-y, laissez nous fighter, hein. Ah, c'est toi, merde. C'est bon, mort. Tu veux pas laisser en main? Non, non, ouais. fight normal. Ouais, c'est bon. C'est le dernier défense, quoi. GG. Les gars. Ouais. Bah, je lui ai demandé, il m'a dit non, fighter. Aïe. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Honnêtement, la partie aurait pu tourner des deux côtés, ça s'est joué à quelques petits détails près. Comme par exemple le fait que j'aurais pu à la fin me transformer soit en Wodla, soit en Quarter, sans parler évidemment, pour essayer de les rendre un peu fous. Mais sur le coup, je n'y ai pas pensé malheureusement. Bref, j'espère tout de même que cette toute première game en Re:Zero UHC vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec le petit hashtag Carmilla, tout simplement. Et je vous attends ce soir sur Twitch pour une nouvelle game de Re:Zero UHC avec vous. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle vidéo. C'était Pegafil, je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao ciao.